J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais t'emmener dans ma journée, du matin jusque dans ma cuisine surtout. On va surtout cuisiner tout ce qui est petit déjeuner, lunchbox, dîner. Bref, je t'embarque dans cette journée avec moi. J'espère en tout cas qu'elle va te plaire. Si c'est le cas, n'hésite pas déjà pour me soutenir à faire tous les trucs YouTube, t'abonner, te liker, partager. Me laisser un petit commentaire si ça te dit, et voilà, donc on y va tout de suite. Alors, là il est 6h30, on commence par préparer la lunchbox. Je pense qu'on était lundi, il fallait que je n'avais rien au frigo en fait. Rien au frigo, rien de prêt au frigo. Souvent les débuts de semaine, je n'ai rien. Donc là, je commence à préparer mes pâtes. Ensuite, j'essuie mes assiettes nettoyées la veille. Souvent, la veille, j'essaie de faire ma dernière vaisselle, mais il y a toujours des assiettes après que je viens trouver le matin si mon mari n'a pas eu la force ou le temps de faire la vaisselle. Donc, j'essuie d'abord celle qui était là et après, je fais une nouvelle vaisselle.
suis cool. La lunchbox de mon mari, chaque matin, c'est toujours le même dilemme. Même pas le matin. Déjà la veille, la nuit, je réfléchis demain, qu'est-ce qu'il ira manger. Bref, je ne sais pas si toutes les femmes sont comme ça, mais je pense que toutes les femmes, c'est pareil. Quand tu dois préparer soit le dîner, soit le déjeuner, soit le petit déjeuner des autres, ben, tu es toujours en train de réfléchir à ce que je vais faire pour que ça ne soit pas trop redondant. Mais on a presque les mêmes légumes. Bref, il y a des choses que les gens ne mangent pas. Donc tu dois t'adapter. Bref, c'est compliqué. La vie d'une femme, c'est vraiment compliqué. Elle doit penser à elle, mais elle doit penser aussi aux autres. Bref. Donc là, j'ai commencé à couper une tomate que j'ai mis comme ça, crue dans sa lunchbox. Il préfère la tomate crue. Et ensuite, on passe au poivron. J'allais mettre dans la lunchbox, mais après je me suis dit pourquoi ne pas faire revenir les poivrons, les légumes, comme ça va un peu changer de d'habitude. Comme d'habitude, il les mange crus. Ben, là, on essaie de mélanger crudité et des petites choses un peu préparées, mais pas trop préparées, que ça reste quand même croustillant. Donc, je coupe mes légumes, poivrons, oignons. Et pommes de terre, ouais, je pense que c'est pommes de terre. Ensuite, c'est parti pour assaisonner, donc un peu de sel. En tout cas, moi, avec les épices, c'est une grande histoire d'amour. Donc, je suis assez généreuse côté épices. Je mets un peu d'oignon. Bon, là, c'est seulement un peu, hein. Je n'ai pas exagéré. Un peu de paprika. Un peu de romarin. Ces derniers temps, j'aime trop le romarin. J'aime trop. Et je rajoute du curcuma. Il faut savoir que curcuma, poivre noir, c'est très... J'avais mis le poivre noir aussi. Curcuma, poivre noir, c'est très bon pour lutter contre le cancer, pour prévenir. Voilà, pour prévenir. Donc, si vous voulez prévenir, vous pouvez manger beaucoup de curcuma mélangé. Le curcuma doit être mélangé au poivre noir. Voilà. Pour prévenir contre le cancer, quoi. Ensuite, je fais revenir mes légumes. D'autre part, je coupe le concombre. Que je vais rajouter donc à la lunchbox. Thank you.
Oui, mes pâtes sont prêtes. Bon, j'en mets dans sa lunchbox. Oui, je mets pratiquement les pâtes chaque matin dans sa lunchbox parce qu'il préfère les pâtes. Il préfère les pâtes au riz, il préfère les pâtes au couscous, bref. Donc je lui donne ce qu'il préfère. Puis je passe à son petit déjeuner parce qu'on ne s'arrête pas à la lunchbox, il faut se préparer le petit déjeuner avant de partir et de manger. Et la veille, il avait fait la salade. Donc, je prépare sa salade. Je mets la salade dans le pain, quoi. Je lui fais un sandwich et j'en profite aussi pour faire le sandwich de son fils, de notre fils. En fait, je prépare souvent leur petit déjeuner, les deux petits déjeuners le matin, comme ça, dès que Ruben se réveille, ben, le petit déjeuner est déjà prêt. Bon, ces derniers temps, ils ne mangent pas très tôt, mais je préfère préparer comme ça, je suis tranquille, quoi. Tout est déjà prêt, donc quand il voudra manger, il va juste à table s'asseoir et il mange. Comme il ne prend pas de lait, Ruben ne prend plus de lait des choix ordinaires, il ne prend le lait que le week-end. Mes légumes sont prêts, donc je peux en mettre dans sa lunchbox. Ça sentait trop bon. Ça sentait vraiment bon. Non, sincèrement, ça sentait très bon. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais ça sentait très bon. Ils étaient très bons. Et j'aime bien quand l'assiette est colorée. Il manquait juste un peu de vert, mais la flemme. Bon, il y avait du poivron, quoi, mais bref. Ensuite, ce qui reste, je mets dans un bol qui ira au frigo. Comme ça, le lendemain, les légumes sont déjà prêts. Ça me fait gagner un peu de temps quand les légumes sont déjà prêts. J'avais fait aussi des œufs déjà, donc le lendemain, les légumes sont déjà prêts, les pâtes sont prêtes, les œufs sont prêts. Donc j'assemble juste et puis voilà. Et ensuite, je coupe un œuf. Et voilà, la lunchbox est prête. Bon, je vais rajouter quand même la sauce. La sauce sur les crudités, bien sûr. Pour la sauce, un peu de yaourt nature. Peu de sel, un peu de vinaigre blanc, un peu d'huile. Et voilà, sa lunchbox est prête. Bon, il en est avec une bouteille de pissap, bien sûr. Ensuite, quelques heures plus tard, là il était 10 h je pense, je me suis dit je vais maintenant manger. Donc pour moi c'est flocons d'avoine, je vais préparer des flocons d'avoine, j'avais envie de manger des flocons d'avoine en fait. Et j'ai toujours mon assistant avec moi qui veut toujours m'aider. Ensuite, dès que c'est prêt, je rajoute du sucre. Oui, j'ai été assez généreuse côté sucre parce que je me sentais très fatiguée et le sucre, je prends pas beaucoup de sucre. Donc parfois je trouve que mon corps manque de sucre. Et là je rajoute du lait. La personne qui veut se justifier parce qu'elle prend du sucre. Non, mais le sucre est important quand même. Il faut pas trop en prendre, mais c'est important. Et je rajoute, il me restait de l'ananas au frigo. Donc, je coupe en petits dés et je mets des cacahuètes. Moi j'aime mettre des cacahuètes partout. Et voilà mon bol. Flocons d'avoine est prêt. Quelques heures plus tard encore, il faut passer à la préparation du dîner. La vie d'une femme. Oh, la vie d'une femme. Bon, je sais qu'il y a des hommes qui font la cuisine, mais la majorité des hommes ne font pas la cuisine, quoi. Bref, mon poulet, je mets du vinaigre, du sel, de l'oignon, du poivre noir, et ensuite, ça va au feu. D'autre part, pendant que le poulet est en train de cuire au feu, je vais couper mes légumes. Cette journée-là, c'était la journée carottes. Ben, en fait, chez nous, on mange beaucoup de carottes, hein, beaucoup de carottes, de pommes de terre. Ce sont les légumes que Ruben mange. Donc, on essaie de s'adapter en fait à Ruben. Il aime aussi les épinards. On mange souvent aussi les épinards, c'est vrai. Et puis, ce sont les légumes de saison. Même si c'est quand même un peu cher, mais ce sont quand même les légumes de saison qu'on trouve. Donc, on essaie de manger les légumes de saison.
Je coupe mes légumes en julienne. Ensuite, je ne vous ai pas montré, mais j'ai frit mon poulet. Je rajoute un peu d'eau. Puis, d'autre part, je fais revenir poivre et oignon. Ensuite, je rajoute des épices. Toujours des épices avec moi. Encore des épices. Puis, je mets carottes et pommes de terre. Et ensuite, dans mon poulet, j'ai rajouté des aubergines violettes, de la tomate, du curcuma. Les légumes, je les ai laissés cuire à feu doux. Et voilà, c'est fini. Voilà. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. C'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Et je te dis à très bientôt.